La lutte contre le réchauffement climatique impose évidemment de revoir la place accordée à la voiture dans nos villes. Direction Nancy, où à l'occasion de la journée internationale du Parking Day, des militants d'Europe Écologie Les Verts et des jeunes écologistes ont transformé une place de parking en lieu de convivialité. Le temps d'imaginer ce que pourrait être l'espace public débarrassé de nos encombrants véhicules. Cette journée, qui est le 19 septembre cette année, chacun fait une action spontanée de prendre une place de parking. On l'a payée, hein. Elle est payée. C'est la première fois que je fais ça, j'ai pas de voiture. Pour mon vélo, j'ai pas besoin de payer pour garer mon vélo. Donc du coup, c'est une découverte pour moi. Mais on n'a pas mis une voiture dessus, on a mis un canapé, on a mis des chaises, on sert un coup à boire aux passants, on échange avec eux, on leur propose des jeux de société. Des livres. On est vraiment aussi dans le partage. Vous êtes bien dans ce fauteuil là. Ah, il est plus confortable que le mien. Le but du Parking Day, c'est d'expliquer qu'on peut gérer l'espace public différemment, qu'on peut donner une autre place à la voiture en ville. Aujourd'hui, on a 80% de l'espace public en ville qui est occupé par la voiture. En moyenne, c'est plus de 4000 euros par an pour un foyer. Ça coûte cher. On pourrait avoir une meilleure qualité de l'air. C'est aussi des choses qui peuvent jouer sur le climat plutôt que d'avoir des voitures qui tournent une demi-heure pour chercher à se garer en ville. La solution, c'est plus de transport en commun, plus d'alternatives à la voiture. C'est le transport collectif, le transport accessible à tous. Des itinéraires pour de la marche, pour le vélo. Un autre type de voiture, comme les voitures électriques, peut s'envisager sous certaines conditions. Ça, c'est aussi aux collectivités locales de développer de nouvelles idées. Le développement des transports et de nouvelles lignes et de réouverture des gares à l'échelle de la grande région, c'est le tram-train, par exemple. En milieu urbain, mais et aussi en milieu rural, et relié milieu urbain, milieu rural, milieu périurbain, on est une vraie offre de transport collectif. On comprend bien le point de vue de la personne qui habite en centre-ville et qui a besoin d'accéder à sa voiture pour se garer. Par exemple, une personne qui a une mobilité réduite, effectivement, elle ne pourra pas faire sans sa voiture. Le but, c'est pas de la priver de sa voiture. Quand on vient déménager, qu'on a besoin d'un camion ou d'une grosse voiture, effectivement, là aussi, c'est un déplacement où on ne peut pas faire autrement. Par contre, il y a aussi plein de moments où on peut faire autrement qu'avec sa voiture. Et l'idée, c'est de changer de mode de vie d'être plus actif aussi, ce qui sera meilleur pour la santé de chacun. Vivre, respirer, protéger et partager. L'essentiel des valeurs.